Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction, grand format. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, je crois le 22 février 2023. Et aujourd'hui, c'est au lendemain de débriefing de notre président de la République à la télévision nationale. Il a été reçu par donc l'exercice que Mouya a fait avec le ministre. Finalement, le président de la République a décidé qu'il aille à l'EKP à se soumettre un exercice. On a quelque chose que moi j'ai personnellement apprécié. N'a pas là qui de façon parce que au lieu de tout le temps dire les choses à l'extérieur, il a eu l'opportunité d'être confronté aux journalistes locaux de toutes les tendances possibles. En tout cas, sur la forme d'abord et à Lokwana, moi j'étais content de voir que le président s'est exprimé finalement. On a communié finalement. Et puis pendant les 5 ans, je crois que c'était la première fois que le président se décide d'être devant les journalistes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, devant tout le monde, et parler effectivement de tous les sujets possibles qui pouvaient venir dans la tête de tous ceux qui le recevaient. Donc le résultat, donc le M6 était, comme vous le savez, un Patrick Muyaya. C'est que moi j'ai essayé un peu de ne pas voir de bon œil. Au fait, j'ai vu le ministre Muyaya diminuer, donc faire des courbettes. Bon, ça sera un autre sujet dans un autre numéro. Mais parlons un peu du président de la République devant le média congolais, devant ses compatriotes, devant Batouba congolais, à Lobby, Makambu, de la sécurité à l'économie. En tout cas, les sujets ont été tous abordés. On a posé des questions et la forme, en tout cas, moi, j'ai été très content. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va aller dans le dedans. Toko tasiko na makambo na kati. Et puis, je crois que, bon, peut-être que je peux avoir cette petite vidéo de Marius Muhunga, parce que la question que moi j'ai trouvée un peu, pas anodine, mais la question que, il y a eu flagrance sur la question, c'est celle-là de Marius Muhunga. Et je vais vous dire pourquoi. Mais parlons d'abord de toutes les questions en général, parce qu'on ne va pas aller disséquer des questions et réponses, comment le président a répondu. Mais moi, je vais donner mon point de vue sur comment le président s'est comporté et les réponses que le président de la République a données au public, finalement, a fait comprendre à quel point il était. D'abord, je parle maintenant de toutes les questions en général. Moi, je trouve que le président était à l'aise dans ses habitudes. Ça, d'abord, la première chose qui est très très positif, Namu Kwantombolo, c'est que il sait parler. Ayebi Koloba. En tout cas, ça, je peux pas vous, personne ne peut le nier. Il peut s'exprimer très bien devant le public. Il sait répondre à n'importe quelle question. A répondre à qui na ndenge na ye na ba question nyoso. Mais moi, je vous dis que maintenant, donc, nous sommes sur la forme des réponses. Donc, na éloquence, oyo muto ya koki ko berne batou, il peut causer avec les gens et les personnes peuvent le comprendre. Le président de la République a ces atouts-là. Ça, on ne peut pas lui refuser. On lui posait la question. Na verbiage, na formulation, ba réponse, na tout ça. Tout était clair, était bien. Mais malheureusement, il ne répondait pas aux questions. C'est ça le problème. Il ne répondait pas. Bon, ce n'est pas que il devait répondre à ce que nous attendions qu'il réponde. Mais moi, j'ai constaté que président Asolo l'a quitté. Dans le meaning, comme on dit, on dit quoi? Donc, les réponses qui devraient être données, les réponses aux questions, presque toutes les questions, le président n'a pas répondu à quoi que ce soit. Ça, je peux vous le garantir. Rentrer encore dans l'émission d'hier,
Botta, là, comment est-ce qu'il il échappait les réponses? Parce qu'il n'en avait pas. Il n'en arrivait pas. C'est pour cela que moi, je me suis dit, Totiana, ta question, moko, oyo, ya, bah, escarmouche, est-ce que vous avez pigé quelque chose? Seulement la réponse que nous avions compris que il avait accepté que Azalaki na katia ba émotion. C'est comme ça que il voulait parler de ça. Il voulait accepter cette erreur que non, c'était une erreur et une faute commise. Et c'est là où nous devions comprendre que non, président Ayebi Azana maîtrise à ba dossier. Et là, Kwana, il n'a pas échappé, mais il n'a pas répondu. Et là, qui sait qui, effectivement, comment est-ce que les décisions sont prises au vague-vague? Le président n'a pas une équipe qui peut lui préparer à répondre aux questions. Moi, je crois que même cette interview-là, elle a été décidée précipitamment. Et Aeko Mikuta, que, bah, question Ezali, les réponses que le peuple congolais pouvait attendre de lui n'étaient pas ce qu'il avait donné. Il avait parlé, mais il n'a pas donné de réponses. Il avait beaucoup parlé, mais il n'a pas donné de réponses. Na eloko escarmouche wana. Est-ce que c'est maintenant que vous pouvez savoir que non? Na ndenge oloba que vous êtes en campagne en disant que ceux qui escarmouche, ceux qui babomi congolais moko à Koukoufa. Mais vous allez voir comment est-ce qu'il a il a parlé, mais à Zui Angote. Moi, je peux lui donner sur cette réponse, na enyoso, 2 sur 10. Donc, le Congo, si on peut aller là-bas, le Congo n'ira pas en guerre avec le Rwanda. Ça, c'est, il faut oublier. Le Congo va négocier avec le M23. Ça, il faut comprendre. Et ça, il faut s'entendre de ça. Parce que pour lui, il revient maintenant. Na makambo akala oya koloba ke non bango baza ba bakosimba mando kite. Or le peuple congolais, on lui avait ye moko a préparé ki biso ke alobi, il faut to silana. Nga naza yu mate. Abimisa ki manza kalobi akobunda. Et le peuple congolais a été embarqué dans cette histoire là en disant que maintenant que le président est convaincu que solution likambo est za guerre et que nous allons déclarer la guerre et il est prêt. Comment quand vous dites par exemple que non, nous avons préparé nos forces armées, bah forces armées n'abissoisent maintenant prêt, donc nous pouvons aller en guerre contre les Rwandais. Et juste au moment où on vous attend pour aller en guerre et comme il est en négociation, vous voyez comment est-ce que le président s'est contredit sur ce sujet-là. Na ba sujet O et ba M23, aujourd'hui il reconnaît que non. Bah M23 Bazalaki, il a fui les responsabilités. Donc le président de la République a responsabilité. Le président de la République ne prend pas les responsabilités sur tout ce qui se passe. Et ce qui m'a étonné maintenant, Nalikambo Yastani, on lui pose la question, mais président Stani a coupé l'inini. Vous regardez la réponse du président de la République. A fustiger encore la justice. Alobi ayebi saki batuana linga kakokota kuna te tout ça. Mais c'est lui le président de la République. Constitution za kolobanini. Constitution za koloba que c'est lui qui est le garant de la bonne marche des institutions. Ce qui institution moko za ko sala malamu te pendant 5 ans, la faute revient à qui? Ce qui va tout bazar qu'au iba mbongo, quand tu dis par exemple que non mbongo batouana ba iba kambongo, mais c'est que tu n'es pas sérieux monsieur. Osa sérieuxté, osa kokuva tala question yande kozulu ou aloba ki Kinshasa, je ne sais pas ce qu'il a dit sur cette question là. Nous avons en tout cas moi na ba réponse la Kati, donc l'essence même des réponses du président de la République n'était pas à la hauteur ni à l'attente que Batu Oyo baza averti Barokai Kozela. Donc le président de la République a été nul. Ça c'est mon point de vue. Il a été nul sur toutes les questions. Ba question nyonso Batu nié Balobi Mexico et coopération à MOU ya banani ya ba européen. Mes chers amis,
ba moyi bitolo ba miyibi ya ba source naturelle na biso ba banani ba nkita na biso toyebi ke batu bazoya koyiba biso toko sala nini ifo tokanga batu wana. Nous devons nous préparer à ce que qu'il n'y ait pas de Congolais qui coopèrent avec l'extérieur. Nous n'avons pas mis en place une politique pour que ton négocier na batua libanda va sentir que non, ils sont obligés pas de passer par des tierces personnes comme Kagame le fait, mais il faudrait que ceux qui ont besoin de nos minéraux puissent savoir que bakozwango esika mususu te que à Kinshasa. Mais on n'a pas fait ça. Toute la diplomatie qui a été entreprise, et ça n'est pas au de côté kabiloko, au tiki na kuna en place au tiki biloko, tiki ango polele, ba miyibi bazoa kozwa na bango. Au côté kango libanda ndengenin. Ça c'est pas possible. C'est ça justement que moi j'ai senti que le président de la République, ou aza kosa l'erreur, yango wana. Vous ne pouvez pas aller négocier que non, bateau, que n'est d'abord puissance étrangère, pendant que vous n'avez pas encore cadré, vous n'avez pas le contrôle de vos minéraux. La République démocratique du Congo n'a pas le contrôle. Il y a ba un kitana, il y a ça n'a ngote. Batu oh, bate kaka ba kolta banani, ce sont des Congolais, mes frères amis. On est à sujet, là, comme sous, y a jour, nous continuons à en parler. Moi, j'ai senti que le président de la République n'a pas les maîtrises même des institutions qu'il est en train de gérer. Même Atta a commis dictateur, ça ne lui permettra pas. Parce que c'est par là que moi je sens que nous sommes en train de partir. Tozo kende kuna. Tozo kende nanzela a dictature que président de la République a lingi ke ye mon kwa banda konome boe. Et il a déjà préparé ces gens-là. Likambo akobuka constitution mobeko, la violation de la constitution. Nous avons, le président nous a montré qu'il ne maîtrise pas les droits. Mais vous ne pouvez pas être un président de la République à tant d'endengue à co-défendre, parce que ce n'est pas tous les jours que les spécialistes viendront, bien les juristes viendront vous dire quelque chose. Vous devez vous, il faut koye kola. Il faut batouana ba vanda ba ebiso président Tobuki Mibe côté, voilà. La réponse, pourquoi est-ce que nous faisons ceci? Parce que je crois que même le président de la République a ébité pourquoi est-ce qu'il a retenu le gouvernement sortant. Il ne connaît pas, je sentis qu'il ne connaît pas la valeur des communiqués de la présidence et les ordonnances qu'il fait. Moi, j'ai senti à un président qui n'était pas à sa place. Et Nabatu Oyo, analyste à Solo Oba Blanda qui m'a conduit, là vraiment, Tomona ki ba faille à président de la République à ne pas connaître les dossiers. Ça, c'est pour la énième fois. Bandeko, ezalaka na ba discours mususu oyo ko kiko sala na balabala, na ba discours mususu oyo ko expliquer ba tout. Le président de la République était devant une classe intellectuelle congolaise et puis na presse ya Congo. Où la presse connaît tout. Mais j'ai vu les gens tellement se sont amusés, on a commencé à poser des questions banales. Imagine-toi par exemple la question de Jean-Marie Kasamba. Ça c'était des questions qui n'avaient pas de place. Babiloko a koloba que président sapote biso tout ça. Vous voyez comment il y a une tendance dictatoriale en lui rejetant la bonne. Donc Jean-Marie Kasamba lui a la question on a zongi selie image on a koloba. Yende mokonzi, yende ako décider. Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays où il y a les normes. Comment un président de la République va dire que non? Ngana zalaka na habitude ako ya kotia zolo na ngate na ba dossier ou bien na kobenga ba juge, mais tout royo na kobenga. Mais omifundi pratiquement, moi je me suis dit ah, nzambe na ngai. Muko antombolo na ngai. Non, moi je suis clair, hein? J'ai de l'estime envers la personne de Félix. J'ai de l'estime, je vois sa carrière, je vois quelqu'un qui peut vraiment, si il y avait quelque chose en tête, il pouvait faire un très très bon président. Parce que déjà l'apparence à Libanda, avec tout ce qu'il peut avoir comme énergie, Nandenge Azakoloba, il peut faire un bon révolutionnaire. Mais Nakati, à l'intérieur, il n'y a absolument rien.
azoye bate loko nini azako sala wana na présidence de la République. Ça c'est mon impression, ça point de vue nangai. Ça c'est mon point de vue. Bon, kiko finga ngai ou quoi que ce soit, mais moi j'ai trouvé un président oyaza capable té ya maîtrise à ba dossier. Donc le dossier sur la sécurité, nous sommes restés in limbo. On ne sait pas si on ira en guerre, on ne sait pas s'il va négocier, mais il nous a déjà donné une piste que dès mardi yende mtu akozala liboso kozala kokende na Luanda. Il sera le premier à être reçu à Luanda. Il va se précipiter à aller à Luanda pour que batala ndenge nini ba arrêter ba M23 par la négociation. Et moi je vous dis, na Luanda on va lui demander de négocier avec le M23. Parce que batu nyonso tout baza ko tindika e na ba résolution ya Nairobi, na ba résolution nyonso tout oya kala oza ko tindika, il faudrait que bon négocier, bon vendre, bon kota na négociation. Voilà un peu ce que moi j'ai perçu de ce que le président nous a entretenu hier. Et moi je me suis dit, nous avons de la malchance. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Une chose que j'ai retenu, c'est que président Yebi, ce qu'il faut faire, et je le répète ici, je crois que à Kolanda Oyo, émission Oyo, parce que j'ai compris. Et nabatu o babande ko benga ngai bino batu bo benga kingai bo lobby germain yo ka ide oyo. Est-ce que tu n'en as pas parlé déjà? Je parlais d'une certaine refondation du Congo. Mais malheureusement na ndenge o bazako kendele nango, on est en train encore d'aller de nous mener dans une dictature. Moi je me suis dit, pour que le président de la République azala grand, rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. C'est-à-dire quoi? Le schéma c'est quoi? Proclamer un nouveau Congo. Sa femme en avait déjà commencé à en parler. On parlait concertation pour un nouveau Congo, CNC, quelque chose comme ça. Proclamons un nouveau Congo et dites au peuple congolais que nous allons le préparer. To préparer Congo ya sika. Oyo biso ba congolais toko solo la toko vanda, batu na batu ba vanda, ba yeba nini yango, ba problème brillant, oyo il faut to vandi samboka na biso pona koluka solution ya gestion asika, pona koluka solution ya batu, parce que sur le dossier rwandais ya batu bota l'attitude azala ki nango, parce que c'est ça qu'on lui reproche sur la communauté internationale. Na kolobela PM eloko moko likambo ya génocide. Moi je suis sidéré parce que on nous a emballé dans une histoire que ba congolais nyonso boza ko sala ba marche bozolo ba génocide. On tue qui? Ba tunini yango baza ko boma. Lorsque le M23 dit que le gouvernement est en train de préparer le génocide, ba tunini yango baza ko kufa tangu biso moko ba congolais tozolo ba génocide. Est-ce que ce sont les Rwandais qui tuent les Congolais ou bien ce sont les Congolais qui tuent les Rwandais? Mais le M23 maintenant a le preuve en disant, regardez, on est en train de eloko wana ya génocide wana et balukeli biso. Génocide et balukeli biso ba congolais. Nous proclamons un génocide que biso moko tozo comprendre ngote. Moi je ne sais pas si cette idée là est venue d'où, que le génocide est allé. En conclusion, si nous pouvons voir les réponses que le président de la République, c'est très malheureux de voir effectivement comment nous avons quelqu'un qui n'est pas à sa place. Je ne suis pas contre ou quoi que ce soit, mais je suis contre la façon dont on est en train de gouverner. Donc, la situation de Goma va rester comme ça. Donc, le peuple congolais qui s'attendait à ce que le président va répliquer, et le Rwanda qui était prêt à en découdre justement, le président s'est senti que non. Bah toi effectivement bah on s'accanate et ça blague t'es. Et donc ne vous étonnez pas si dans le prochain jour vous voyez soit une délégation du M23 balongwa na Zamba place Bazali bazala invité na Luanda, et ça sera la plus grosse erreur oyo président de la République akosala. Yango na biso toloba ki boye. Tolobi toza ko proposer président de la République dialogue. Tika ko kende babilo kwana. Tika ba makambo ya EAC. Tika ba makambo ya ko kende ko lukaka ba solution libanda.
benga bana mai tu ya Congo proposer solution oyo bandeko manda nanga oyo naza kotia yango sous l'égide ya kopto tonga mboka biso nyonso. Ce n'est pas assez que to banda ko kabola pouvoir oyo ekosali samboka te. Président de la République a un avantage mon côté azala na pouvoir o batu nyonso tuba kozala ko combattre jusqu'à ce que kimoyibi ekosila te. Les Congolais ne vont pas se retrouver. Biloko nyonso kozala bloqué. Ozana batu oyo penza bazana confiance na yo te. Donc le président ne maîtrise absolument rien dans tous les dossiers qu'on lui a posés comme question. Azana maîtrise mon côté. Que ça soit sur le plan de l'économie, et à la plan justice, et à la plan n'importe qui quoi. Peut-être le sport, mais oyoka kika reke azako l'attitude là koloba que non c'est moi le chef et je dois donner des injonctions et loko wana ndeza koboma mboka na biso. Ce pouvoir ici, il faudrait le désacraliser. Si Tshisekedi veut rester grand, désacraliser ça. Et na bande koloba ana lobi tokene na tendance à koloba. Ya ko unifier Congo to za nanu to traiter ba makambo wana nyonso tout. C'est comme ça que moi j'ai dit le plan de la rétrocession de pouvoir au niveau de la base. Faire cause, faire parler les gens. Faire parler les Congolais nabi tout kanyon so a Congo ndeza sois et koza la salut nabiso. Poto régler li kambunini. O eza na base ya o babilo konyo so toza na ngolelo. Il faut to régler li kambo ya identification. Il faut to régler li kambo ya ba institution na biso fonctionnement ya pays au niveau ya ba territorial. Que chacun puisse être responsable. Il ne peut pas être responsable de tout. Et expliquez ça aux grands leaders qui vous attend. Oh, bazolo, baba, opposition, banini. Nous allons nous casser la tête. C'est par là que nous sommes en train de dire. Ce qui toque un modèle, oh, yo. C'est-à-dire que le Félix Tshisekedi est en train d'être utilisé par l'ennemi. Parce que solution qu'on a la tête, quand on a co-dirigé Mboka on a l'homme. Qui m'a eu bien qu'aussi la tête. Il continue toujours à se plaindre. Oh, na loba ki boy, basali angote, na benga ki mutu boy, basali angote. C'est toi qui es le garant des bons fonctionnements des institutions. Ce qui justice est au salamala mute, tu ne vas pas dire que c'est parce que il y a un ministre qui ne veut pas ce que la justice, ou bien juge bazo lingate. Le problème est global et ce problème-là doit être résolu globalement. C'est comme ça que nous sommes dit bande kobo s'abonner parce que na réflexion au Ekolanda émission au peut-être dimanche nous allons parler encore de comment est-ce que nous pouvons sortir ne loko oyo. Batunyo surtout il faut baya na idée à kobongisa. Moi j'apprécie Katumbi, moi j'apprécie Mukwege. Ce sont les gens, par exemple, qui peuvent aider le président de la République. Approcher Batoua na Bovanda, na ba solution, oh, nyo so ba proposa ki balobi, ezali kambo ako kabolambo kate. Ezali kambo ke to banda kotonga, biso nyo so tout réfléchir. Même si je suis le président de la République pour les 4 ans ou les 5 ans qui vont venir, mais total anan mboka o toko bongi sangonde ngeni. C'est par là où je vais terminer pour aujourd'hui, la réaction grand format oyo. Donc, Eza mawa, bo sabone, bo continue ko sabone na chaîne na biso, oza chaîne na bino. Merci en tout cas na batu nyo surtout, oba zako benga, oba zako support, eza ko salangai, esengo mingi, komona, ke batu ebele, ba komi ko adopte émission Contact Pro Live, et to komi ko kendeti, na ba 4000, 5000 views, c'est déjà quelque chose de très grand. Mais batu wana nyo so, si vous vous abonnez, émission na biso yo kyo matalikolo. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, je m'arrête là.